Et vous cherchez Imogen ? Effectivement, elle est où ? Comme vous l'aurez constaté, elle n'est pas là. Ce qui ne m'arrange pas, car j'ai plusieurs documents à lui faire signer. Elle s'arrange toujours pour esquiver la paperasse. Quand avez-vous vu Imogen pour la dernière fois ? Elle n'est pas revenue au bureau depuis la fermeture pour maintenance. Je crois qu'elle en profite encore pour tirer au flanc. Je sais très bien qu'elle n'est pas en rendez-vous à l'extérieur ni en déplacement professionnel. Comment vous vous êtes arrangé pour éviter le processus de recrutement ? Que voulez-vous ? En plus d'être douée dans mon boulot, je sais aussi profiter de la vie. Je veux que vous utilisiez vos ressources pour me dire où se trouve Imogen. Je ne vois vraiment pas en quoi ça vous regarde. Mais c'est vrai que je suis du genre à garder un œil sur mes collègues. Je peux savoir ce que vous lui voulez ? Mais pas mention de demander quoi que ce soit, je suis pas là pour les potins, dites-moi juste où elle est. Vous êtes vraiment pas drôle. Imogen a été vue pour la dernière fois au Frankie Market, qui, comme chacun sait ici, est une couverture pour le clan Seoka. Si vous voulez la poursuivre, vous aurez besoin de l'autorisation d'un cadre. Dalton approuverait à coup sûr. Que fait-elle sur le territoire du clan Seoka, à votre avis ? Franchement, aucune idée, mais elle manigance quelque chose. Je voyais bien qu'elle essayait de brouiller les pistes, mais normal, c'est mon boulot. C'est pas pour rien que c'est moi qui supervise les techniciens. Frankie Market est une couverture pour le clan Seoka ? C'est moi ou il y a de l'écho ? Ouais, c'est qu'une façade. Une supérette moisie à l'extérieur, une planque high-tech à l'intérieur. Mais naturellement, il n'y a que Ryujin, Bayou et le clan Seoka qui sont au courant. Bon, je vais en parler à Dalton. Bonne idée. Il serait furax si vous passiez pas par lui. J'aimerais pas voir ça. Quoique si, ce serait amusant. Tout pour casser la routine, pas vrai ? Bonne chance pour vos recherches. Ah, et si vous mettez la main sur Imogen ? Dites-lui bien que c'est moi qui vous ai dit où la trouver. Imogen n'est pas avec vous. Elle nous aurait déjà devancé. Comment pouvait-elle savoir qu'on la soupçonnait ? Une question intéressante, mais vu ses compétences et ses relations, les possibilités sont bien trop nombreuses. D'abord, retrouvons-la. Ensuite, on se penchera sur le sujet. Yuko m'a dit qu'on l'avait vue pour la dernière fois au Frankie Market. Yuko est au courant, évidemment. Si Imogen s'est réfugiée chez les Seoka, je ne peux pas vous envoyer à sa poursuite. Vous devez d'abord en parler à Benjamin Bayou. Il est impératif qu'il soit au courant de la situation. Avec un peu de chance, peut-être même qu'il nous aidera à coincer Imogen. Pourquoi dois-je aller voir Bayou ? Bayou dirige le clan Seoka. Ah bon ? Si vous débarquez chez eux sans en discuter avec lui au préalable, cela pourrait être vu comme une violation de nos accords professionnels. Ah putain, mais comment j'ai foutu la merde avec son clan ? Bon, je vais aller le prévenir et j'obtiendrai sa coopération. Très bien. Parce que sans ça, ce sera une affaire bien trop délicate. Rendez-vous à la Trade Tower et faites preuve de discrétion. Dites à Bayou que vous venez de la part de Ryujin. Possible qu'il exige des crédits ou une faveur en retour. Économisons-nous... Attends, j'ai mes limites, dans quel genre de service parlons-nous ? Rien qu'une sorte de l'ordinaire, je pense. Bayou est un homme d'affaires. S'il vous demande un service, ça ne devrait pas trop différer des missions que vous avez déjà accomplies pour nous. Oh, économisons du temps à tous, donnez-moi une monnaie d'échange qu'il ne pourra pas refuser. Vous avez raison. S'il demande une contrepartie, dites-lui que j'appuierai sa proposition de collecte de fonds. Il comprendra le message. Le principal, c'est que vous la rameniez en vie. Si elle est réellement notre taupe, elle aura beaucoup d'explications à fournir. Si elle résiste ou tente de s'enfuir, nous devons considérer ça comme un aveu de culpabilité. Et vous n'aurez alors d'autre choix que de l'éliminer. Ce n'est pas un peu extrême ? On pourrait peut-être impliquer les forces judiciaires ? Ce genre d'affaire doit se régler en interne. Les informations dont il est question sont trop sensibles pour être confiées à la police. Et ils sont trop laxistes, niveau sécurité. Les détails ne tarderaient pas à être communiqués à la presse ou vendus à un autre de nos concurrents. La tuer me semble prématurée, elle n'a peut-être pas agi seule. Le risque qu'elle continue à agir en agent double est trop élevé. Si on s'occupe pas d'elle immédiatement, elle pourrait causer de sérieux préjudices à l'entreprise. Elle connaît les conséquences d'une trahison,
ce qui la rend dangereuse. Si la situation venait à empirer, je vous demanderai uniquement de chercher de potentielles preuves qu'elle aurait en sa possession. J'ose espérer que votre relation avec elle ne biaisera pas votre jugement. Je me rappelle pas avoir demandé qui que ce soit. Que voulez-vous ? Vous avez de bonnes relations avec Ryojin Industry, n'est-ce pas ? Ça a été un partenariat très fructueux. Tant que nous continuons à protéger nos intérêts respectifs, je ne peux pas me plaindre. Je suis là pour vous informer au nom de Ryojin. Je vais dans la planque du clan Seoka. Me prévenir ? Vous venez me dire que vous allez vous introduire sur mon territoire ? Ce n'est pas comme ça que ça marche. D'abord, vous me dites pourquoi. Et ensuite, si je suis satisfait, je vous accorde gracieusement ma permission. Nous recherchons un suspect qui s'est planqué chez le clan Seoka. Tant que les membres du clan Seoka ne sont pas directement impliqués, voilà ce qu'on va faire. Je vais dire au clan Seoka de vous laisser passer, à condition que vous fassiez un petit quelque chose pour moi. Est-ce qu'il y a moyen de persuader ? Je pense que les bénéfices mutuels devraient suffire. Et quel serait ce bénéfice mutuel ? Si j'ajoute quelques crédits... Non. Ce qui est bon pour Ryojin est bon pour Néon, vous savez. Bien entendu. Les succès de Ryojin se répercutent toujours sur les profits de Néon. Un simple témoignage de bonne foi pourrait grandement vous servir à l'avenir. Je crois que nous approchons d'un terrain d'entente. Très bien. Vous avez la langue acérée. S'il s'agit effectivement d'une situation mutuellement bénéfique, je ne vois pas de raison de vous refuser une si petite faveur. Allez voir Madame Moore chez Frankie. Je la préviendrai de votre arrivée pour qu'elle ne vous crée pas d'ennui. Je préfère vous prévenir. Le clan Seoka vous laissera chercher les parties communes. Mais si on vous surprend en train de fouiller dans des quartiers privés, disons que vous devriez vous préparer à une certaine hostilité. Vous avez dit que vous avez commencé cet embrouille avec votre mari. Je suis là de la part de Ryojin, on m'a dit que je pourrais rentrer. C'est vous qui avez droit au traitement de faveur ? Je savais que vous étiez pas comme les autres. J'ai une règle pour vous. Ça devrait pas être trop compliqué de s'en souvenir. Le troisième étage est hors limite. S'ils vous surprennent en train de fouiner, ils tireront à vue. Vous avez intérêt à ce que la personne que je se reprend, hein ? Je resterai loin du troisième étage. Ça, c'est ce que je veux entendre. Que les choses soient claires, je vous donne l'accès seulement parce que j'en ai reçu l'ordre. La jeune fille que vous recherchez, elle s'est réfugiée tête baissée dans une pièce. Concentrez-vous sur votre objectif. Moins vous ferez comme chez vous, mieux ce sera. Je crains le pire. Mais bon, on va bien voir. Pourquoi ils sont en rouge ? Ah, c'est bon ? Oui, c'est bon. Je savais qu'on finirait par se croiser tôt ou tard. Non pas que je me croyais en sécurité, mais je m'attendais pas à ce que quelqu'un passe tous ses membres du clan. Je me doutais bien que c'est vous qu'ils enverraient sur ma piste. Comment avez-vous su pour l'enquête ? À force de travailler dans ce milieu, on accumule des faveurs et on se fait des relations permettant de garder une longueur d'avance. Nyx me devait un service. Il m'a prévenu. Ah la sale petite fouine ! Qu'est-ce qui se passe, bordel ? Vous travaillez vraiment pour Infinity LTD ? Oui et non. C'est compliqué. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Quelqu'un a l'air sacrément coupable à se cacher ici. Les fichiers obtenus par Nyx ne me désignaient pas déjà comme coupable, peut-être ? C'est un coup monté par Oularu. Oui, je suis agent double, mais sur ses ordres à elle. Je semais la confusion pour son compte, je n'avais rien à y gagner. En plus, je suis pas assez haut placé pour avoir accès au projet Domination. Je serais incapable de le faire fuiter. Du moins, intentionnellement. Comment puis-je croire que ce... Vous pensez que c'est Oularu ? Absolument. Mais d'abord, vous devez comprendre qu'elle m'a fait jouer un rôle là-dedans à mon insu. Pour me faire porter le chapeau. C'est pour ça que j'ai dit que je serais incapable de faire fuiter les infos intentionnellement.
Comment puis-je croire quoi que ce soit venant de vous ? Vous croyez vraiment que j'ai envie de foutre en l'air tout ce que j'ai accompli ? Ou que ça m'amuserait de passer le reste de ma vie à regarder par-dessus mon épaule, en attendant le prochain agent qui m'enverrait ? Intentionnellement ? Expliquez-moi où vous voulez en venir. Écoutez, si j'ai connaissance du projet Domination, c'est uniquement parce que je voulais savoir ce qu'on m'accusait d'avoir vendu. Mais cette technologie, c'est dangereux. Un neuroforceur interne théoriquement capable de contrôler les gens ? Si les preuves me désignent, c'est parce qu'Oularu s'est arrangé pour. Quel meilleur moyen de piéger quelqu'un que de prendre le contrôle de son esprit pour lui faire faire des actes incriminants ? Pourquoi est-ce qu'Oularu vous aurait piégé ? Parce que je suis la cible la plus crédible. Je suis la seule, chérie Eugene, à disposer des compétences nécessaires pour réussir un tel coup. Quel serait le mobile d'Oularu ? Le pouvoir, naturellement. Les corporations cherchent à maximiser leurs profits par tous les moyens. Mais Masako est réticente à prendre certaines mesures. Vous aurez peut-être remarqué qu'aucune de vos missions n'impliquait directement un assassinat. Masako ne s'y résout qu'en tout dernier recours. Du point de vue d'Oularu, il s'agit d'un signe de faiblesse qui nécessite une intervention. C'est ridicule, comme le contrôle de l'esprit. C'est justement pour ça que c'est dangereux. Personne n'y croirait. Imaginez que Ryujin garde le secret de cette technologie. Les accords commerciaux, les conflits juridiques, tout serait gagné d'avance. Donc vous affirmez qu'Oularu vous a obligé à faire tout ça, sans que vous le sachiez ? Oui, c'est ce que fait cette technologie, et ça explique que les preuves contre moi sont si solides. En y repensant, ça explique aussi certaines phases de désorientation que j'ai ressenties ces derniers mois. Vous pourriez chercher à prendre la place d'Oularu, la piéger et vous laisserez le champ libre. Je sais que tout me désigne, mais c'est justement pour ça que j'ai rassemblé mes propres preuves. Oularu est douée et très intelligente, mais elle a passé beaucoup d'années derrière un bureau. Je savais que quelque chose lui échapperait. Cette tablette contient toutes les preuves l'incriminant. Vous n'avez qu'à la porter à Dalton. C'est l'unique moyen de prouver mon innocence. En quoi cette preuve est plus crédible que les données fournies par Nyx ? Le contrat de Nyx limite son niveau d'accès à l'ordinateur d'Oularu et à son activité réseau. En piratant la sécurité de la tour, j'ai réussi à récupérer un historique supprimé prouvant qu'elle a accédé au prototype du projet Domination. Je vous garantis que la société externe à qui Dalton fait appel pour sa directive de sécurité Theta ne trouvera jamais ça. Je m'assurerai que Dalton ait cette nouvelle preuve. C'est ce que j'espérais. Mais je vais quand même rester planqué le temps que ça se passe. Tant qu'Oularu croit que je suis en cavale, elle pensera que son plan fonctionne. Et puis... merci. Je sais que vous n'entendez pas souvent ce mot au bureau. Regardez qui revoilà. Alors dites-moi, qu'avez-vous trouvé ? Mais ça peut te foutre. Mais je rêve. Vous ne m'avez pas fait espionner pour le découvrir, vous-même ? Au sein du clan Seoka ? C'est interdit. Et vous et moi savons pourquoi. Imogène savait exactement ce qu'elle faisait quand elle y est allée. Que vaut cette information pour vous ? Si vous pensez que je vais payer pour ça, vous vous plantez. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne finisse sur mon bureau. Et je peux me montrer très patiente. Ça ne vous regarde pas. Très bien. J'insisterai pas. Amusez-vous bien avec Dalton. Ça finira par me revenir tôt ou tard. On leur dira. Casse-toi. Vous êtes de retour ? Et Imogène ? La taupe est soit Imogène, soit Oularu. Notre confiance en Imogène est compromise. Il en faudrait beaucoup pour la réintégrer dans notre giron. Mais vous dites maintenant qu'Oularu trempe dans tout ça. Ça complique les choses. Vous pensez que la taupe pourrait utiliser le projet Domination pour piéger Imogène ? Évidemment. Nous avons passé toutes les images de sécurité et autorisations d'accès en revue, et nous n'avons rien trouvé. Le projet lui-même présente un énorme risque. Mais notre ingénieur en R&D, Vina Kalra, planche sur des moyens de le limiter. La bonne nouvelle, c'est que j'ai ça. Ces preuves compliquent les choses si Imogène croit qu'Oularu est la véritable coupable. J'espère qu'elle sera prête à témoigner en personne. Je dois maintenant m'atteler à la tâche laborieuse de rédiger un rapport. En attendant, Masako a requis votre présence en R&D. Elle vous demande de la retrouver dans le bureau de Vina Kalra. Vous pouvez m'en dire plus sur Vina Kalra ? Vina est à la tête de l'équipe de recherche et développement. Elle a créé le projet Domination.
On la considère souvent comme la protégée de Rei Dekaris, la fondatrice de Ryujin. Comment je rejoins le bureau de Vina en R&D ? Descendez avec l'ascenseur jusqu'à la R&D. Le bureau du docteur Kalra est à gauche en arrivant à l'étage. C'est de quoi Masako voudrait me parler ? Masako s'est occupée de savoir comment gérer Infinity LTD et leur connaissance du projet Domination. Son plan semble reposer sur vos épaules. Bon, bien, je vous laisse vous occuper de cette histoire de taupe. C'est pas que ça m'amuse, mais je ne confierai ces rapports à personne d'autre. Besoin de cette roticite, si nous voulons terminer le neuroforceur. Je crains que toute la station ait été détruite par... quelque chose. Ne vous inquiétez pas, nous trouverons un moyen de récupérer cette cargaison. Vous voilà, bien. Il est temps de mettre en place un plan pour reprendre le contrôle avec Infinity LTD. Il était grand. Montrez-moi la bonne direction, je ferai le nécessaire. En temps venu, nous ignorons où en est actuellement Infinity dans ses plans de neuroforceur. Alors notre priorité est de finaliser le nôtre. Laissez-moi vous présenter Vina Kalra, directrice en recherche et développement. Elle vous donnera tous les détails. Oui, les détails. Voyez-vous, le neuroforceur interne est constitué de deux parties. La première, celle qu'a volée Infinity, traite les effets de manipulation. La seconde est une modification protectrice, conçue pour protéger l'utilisateur contre d'autres utilisateurs de neuroforceurs. Comment pouvez-vous être sûr que la taupe n'a pas volé d'infos sur le mode de protection ? On ne peut pas le savoir, mais l'aspect protection n'a jamais fait officiellement partie du projet Domination. Ça nous est venu après coup pour trouver comment empêcher nos porteurs de se faire manipuler. Alors il a été étudié à part, comme un mode. La recherche en était à ses premières heures. L'approbation du conseil était prématurée, alors seuls Demarcus, Masako et moi étions au courant. Gardez-moi pour nous offrir un avantage considérable. Infinity a loupé la pièce. C'est malin de les vendre séparément. Il faudrait être fou pour en avoir un et pas l'autre. Ah ça oui. Le marketing et les finances ne l'auraient pas commercialisé autrement. Personne ne veut voir son plus gros atout retourner contre lui. Quand Vina aura terminé le mode de protection et le neuroforceur interne, le plan consiste à vous en équiper pour infiltrer Infinity LTD. Nous ne risquerons pas la mission sans protéger suffisamment votre esprit. Vous vous fiez à moi avec cette technologie ? Vous travaillez pour Ryujin et le travail doit être fait. Jusqu'à maintenant, nous vous avons fait confiance. Pourquoi s'arrêter là ? Vous partez du principe que j'accepte d'être votre cobaye ? Nous attendons de nos employés qu'ils fassent tout le nécessaire pour faire prospérer Ryujin. Voyez ça comme une chance, pas un risque. Et puis, vous êtes entre de bonnes mains avec Vina. Hors de question, j'aime mon cerveau naturel. Ah, j'avoue que... Bon, j'accepte de subir l'opération si c'est vraiment nécessaire. Bien. C'est tout ce que je voulais entendre. Et il me manque plus que la dernière pièce du puzzle. La dernière étape pour les deux produits consistait à trouver un matériau conducteur compatible que le corps ne rejetterait pas. J'ai fini par créer l'alliage parfait, mais celui-ci intègre un élément raffiné découvert depuis peu, appelé la roticite. C'est là que j'interviens. Nous avons un contrat confidentiel avec Consolidated Mining pour extraire, raffiner et nous envoyer directement la roticite. Leur dernière livraison est en retard. Et ni Consolidated Mining, ni nous, n'avons pu communiquer avec la station carinée. Une station mineure qui ne répond pas, c'est mauvais signe. Exactement ce que je me disais. Nous devons nous y rendre, sécuriser la cargaison et la rapporter pour que Vina puisse terminer son prototype. Et je tiens à savoir ce qui s'est passé. Nous devons prendre toutes les mesures de sécurité pour nous assurer que ça ne se reproduise pas. Vous pensez que je vais me frotter à une certaine résistance ? Malheureusement, oui. Soyez sur vos gardes. Nous avons mené des tests poussés sur la planète. Alors les chances qu'il s'agisse d'un risque environnemental sont maigres. Et installer ce genre de station est une seconde nature pour Consolidated Mining, qui sait parfaitement gérer les problèmes mécaniques. Si on mettait la main, c'est rien de temps. Si quelqu'un interfère, je m'assurerai de lui régler son compte. Je trouverai ce qui est arrivé et sécuriserai la cargaison. La station d'extraction s'appelle CM Station RC1. Elle se trouve sur la lune Carinée 3A dans le système Carinée.
La cargaison devrait être dans la tour de recherche et de commande, mais les portes extérieures sont verrouillées. Cette carte devrait vous permettre d'entrer dans les mines, afin d'accéder à la tour depuis l'intérieur. Bonne chance. Tout est dans le vert. Les matières non organiques abondent dans cette région. J'engage le combat. Ah. À couvert. Ben on pourra pas négocier. Le combat engagé. Tu l'auras eu ta putain de guerre. Eclipse. Ah d'accord, bon, bah oui c'est... définitivement des connards. Alors attends. Ah voilà, ils doivent être dedans. Asko, t'es gentil, mais tu te fous devant. Je n'explique pas comment vous avez pu juger judicieux de nous attaquer. Bon, là, je fais ça uniquement pour améliorer le truc avec ton magnétisme. Sont extrêmement élevés. Incroyable les dégâts que ça fait. Ah, j'arrive pas à me concentrer. Je détecte plus aucun signe de vie de la part de l'ennemi. Attends, il reste un. Ah, il est à l'extérieur. Passe l'affaire. Mademoiselle, où es-tu? J'ai un visuel sur la cible. Bébé. Ah, voilà. Dernier truc électromagnétique qui est fait. Nous les avons perdus. Pasco! Mission! Je ne détecte plus aucune activité ennemie dans les environs. Arrête pas de se mettre devant ma cible, il est chiant! Il attaque même pas en plus. En plein dans le bras! On est su!
c'est. Je crois que c'est lui. Basco. Oh non mais vraiment, mais ça n'a pas changé depuis Skyrim ça. J'ai besoin d'une diversion. Chopez-moi ça. Mon bras est touché. Je tire. Bah, allô? J'ai aucune idée. Il est fort peu avisé de demeurer hostile envers nous. Confirme. Eh ben, c'est qu'ils m'ont fait des dégâts, ces salopards. Communication. Entrant Origin. Comme si j'étais une meaning, nous avons entendu des rapports. Nous avons un bonus pour les voisins, si vous êtes ou informés, sortant en urgence. Se trouvant dans le système, nous avons attaqué, nous avons besoin de toute urgence, d'accord. Attends. C'est pas tout, ouais, voilà. Au final, j'ai contrôlé ce véhicule, le raffinage est en cours de réparation. D'accord. Cargaison. La clinique livrée. Ryojin Industries annulée. Cargaison redirigée vers la clinique à l'intention du docteur Kendrick Lane. D'accord, donc il va falloir aller voir ce docteur. Également lire le contrat. Alors, le contrat. Ok, raison de retisser préparé par un dirigeant avec un dans la clinique. D'accord. C'est monsieur Lucas Dexler qui a fait.